Donc, José Picard, propriétaire des Jardins de Galix. Ici, on est un centre jardin où on produit de la fleur annuelle au printemps. On vend des arbres, des arbustes. On produit en serre par la suite concombres et tomates qu'on vend dans les supermarchés. On produit aussi en champ des fraises, des framboises pour l'autocueillette. Puis on cultive aussi des petits fruits tels que la mélange, la camerise et l'argousier. Bien, ici, sur la côte nord, là, on en retrouve un peu sauvage dans le bois. C'est vraiment un arbre, là, un grand arbre. Les gens appellent ça souvent des petites poires sauvages. On en trouve beaucoup sur la rive sud. Ici, quand même un peu aussi. Moi, j'en vois au printemps les premiers arbres à fleurs blanches dans la forêt, c'est les amélanges. Ça se cultive bien, c'est une plante nordique, là, fait que ça se cultive très bien ici en région. Là, ça pousse tout seul. Là. Ça fait des beaux arbres, puis ça résiste très bien à l'hiver. On en retrouve quand même un peu. C'est surtout les gens d'une génération, peut-être cinquantaine d'années, qui, quand ils étaient petits, mangeaient ça dans le bois. Et plus vieux, c'est sûr, là. Mais les plus jeunes d'aujourd'hui, on n'ose plus tant manger ce qui est dans le bois parce qu'on ne sait jamais si c'est bon ou pas. On manque des connaissances un peu. Donc, on n'ose pas, mais c'est un fruit qui se mange sauvage aussi, là. Bien, il y a différentes variétés. T'sais, en forêt, c'est vraiment un arbre, là. C'est vraiment grand. Un amélanchier, ça peut venir 6 mètres de haut, 6 mètres de large. Moi, j'en vends en arbre là, à revendre, là, qui sont vraiment 6 mètres de haut, 6 mètres de large. Par contre, moi, dans mes champs, c'est plus le type arbustif. Ils sont moins gros. On verra plus tard que peut-être qu'ils arrivent à 4 pieds de hauteur. Il faut les tailler, il faut les entretenir. Ce qui fait qu'ils ne viennent jamais très, très gros. Là. Ils ne viennent jamais en gros arbre, mais c'est quand même aussi des variétés qui sont plus petites. Là. La mélange, c'est un fruit rond comme un bleuet, sauf que ça pousse dans un arbre, comparativement à un bleuet dans un arbuste. Là. Puis ça pousse en grappe, en corolle qu'on appelle, là, plusieurs ensemble. Puis c'est un fruit qui commence par être rouge, puis il vient tellement rouge foncé qu'il apparaît comme noir à la fin. Là. C'est vraiment un rouge très foncé. Puis, écoute, en forêt, on voit juste des petites grappes de fruits noirs dans les arbres. Un peu, ça fait penser un peu comme du cormier, en apparence de fruit, là, mais noir au lieu d'être rouge. Moi, je dis souvent que c'est un petit goût tranquille, parce que c'est pas un goût qui fait pop dans la bouche, là, mais c'est un sucré, c'est pas du tout amer, c'est pas surette, c'est vraiment doux et sucré. Là. Puis on a un petit noyau à l'intérieur, mais qu'on sent, parce qu'on... En tout cas, on s'en rend compte qu'il y a un noyau, mais ça avale très bien. Là. C'est pas comme si c'était une nuisance. Là. Mais c'est vraiment un goût doux, très doux. Ça, la floraison, toi, est au printemps, en famille début juin, vraiment dès que c'est le départ. Puis la cueillette, on commence à la mi-août à récolter les fruits jusqu'à la fin août. C'est à peu près 2 semaines de cueillette où on cueille pratiquement tous les jours. Parce qu'on commence le champ, on récolte, puis quand on est rendu au bout, bien, il faut recommencer. Il faut vraiment passer en plusieurs fois parce que sur la grappe, ce n'est pas tous les fruits qui sont prêts en même temps. Donc, on cueille une première fois, puis on revient 2 à 3 fois sur le même arbre après pour terminer de cueillir les fruits. Là. Moi, je vends mes fruits à un transformateur. Il y a des boissons alcoolisées, des confitures, des tartinades, vraiment 1001 produits combinés à d'autres fruits ou tout seul. Ça se transforme vraiment sous différentes formes. Moi, je donne des recettes aux gens qui sont surtout des affaires simples à la maison. Là, dans les muffins, dans les smoothies, ça se mange frais. Transformé, cuit, vraiment, on peut faire des sauces pour la viande, c'est autant sucré que salé, ça se mélange avec les deux. Il y a vraiment plein d'options dans les smoothies, c'est plein de fibres, hein? Il y a beaucoup de fibres là-dedans. Une demi-tasse là, d'amélange, là, ça t'amène 12% de fibres de ta journée. Là. C'est quand même pas beaucoup de fruits pour beaucoup de fibres. Là. Mais il y a quand même beaucoup d'antioxydants qui vont aider le corps, puis les fibres dans la digestion aussi. Et écoute, c'est plein de bonnes vitamines. Là. Je ne pourrais pas t'énumérer exactement toutes les vitamines. Là. Je ne les sais pas par cœur toutes, mais c'est un excellent fruit pour la santé, vraiment. Là. À intégrer dans nos consommations quotidiennes, c'est simple, c'est facile, puis ça ne modifie pas le goût des choses. Là. Ça reste assez discret, mais en amenant des bonnes choses. C'est pas un petit fruit qui est vendu en supermarché. Là. C'est pas assez connu pour ça, on va dire. Mais ça va peut-être le devenir un jour.
Puis, tu sais, moi, j'en vends ici. J'en vends ici aux clients, j'en vends quand je vais au marché public, en contenant, pour les faire découvrir. On est toujours en mode faire découvrir. Tu sais, quand je vends un casseau, il vient toujours l'explication, la suggestion de l'utiliser, parce que les gens, ils font comme, j'ai le goût de l'essayer, mais je sais pas quoi faire avec. Fait que là, je leur donne les recettes, puis l'explication. Fait que là, les gens l'essaient, puis à chaque année, les ventes augmentent. Là. Ça va de mieux en mieux. T'sais, moi, je vends la grosse partie de ma culture à un transformateur. Sauf que ici, j'en vends de plus en plus aussi, là, ce qui fait que j'en vends de moins en moins. Fait qu'à un moment donné, je vais finir peut-être par en avoir plus, mais plus ça va, plus la culture donne aussi. Fait donc, je suis capable de fournir des deux côtés, là, les clients ici à proximité, puis aux transformateurs aussi. Là. Ici, on en vend, j'en vends aussi en arbuste, là, que les gens peuvent cultiver dans leur cour. Fait que, tu sais, des fois, de se faire un jardin fruitier, c'est intéressant parce qu'on peut avoir plein de petits fruits qui ne sont pas nécessairement très connus, ou qu'on, à part la fraise, la framboise, que tout le monde connaît. Mais la mélange pousse très bien chez nous. Les variétés comme G, qui sont petits, on peut très bien tout le monde avoir ça dans sa cour. Là, puis ça produit vraiment beaucoup. Là, l'arbre, là, c'est incroyable les fruits qu'il y a dessus. Là, ça prend fou. Faut en mettre de côté, faut en mettre à congeler, disons, parce qu'on pourra pas tout manger d'un coup, c'est un petit peu dur. Bonjour, Billy Tanguay, chef propriétaire du Bavard Livrogne. On se fait quelques recettes avec les produits de la Côte-Nord, des recettes faciles à réaliser à la maison que n'importe qui peut faire. Pour cette recette, on travaille la mélange. C'est un petit fruit que je n'avais pas encore utilisé. On m'a donné un défi de l'utiliser dans une recette. Ça m'a fait beaucoup penser en y goûtant à une sauce au vin rouge. Fait que j'ai décidé de faire une sauce au vin rouge avec la mélange. Qui dit sauce au vin rouge, dit viande rouge. Filet mignon. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un filet mignon. Ici, on a un beau médaillon de 4 onces. Un peu de beurre, la fleur de sel, la mélange, du fond de veau. Ici, on fait notre fond de veau, mais à l'épicerie, vous allez pouvoir trouver du fond de veau acheté. Ou sinon, demandez à votre boucher pour des os. Et trouvez-vous une belle petite recette à faire sur les internets que vous allez pouvoir faire votre propre fond avec des os. On a avec ça des épices astriques. On les fait maison, mais on peut trouver de très bonnes épices encore là à l'épicerie. Et du vin rouge. On commence avec la sauce au vin rouge. Pour la sauce, on commence par faire suer de l'oignon avec de l'ail. Ensuite, on va venir déglacer avec le vin rouge. Quand la sauce est réduite à sec, on rajoute le fond de veau, on réduit de moitié, on rajoute avec ça la mélange et on va finir avec une petite noix de beurre. Pour le steak, on commence par mettre les épices à steak et le sel. Par la suite, on rouvre notre rond. On fait chauffer ça à feu vif pendant 2 à 3 minutes pour une cuisson saignante. Moi, je le continue un peu au four pendant 5 minutes. Après ça, si vous voulez une autre cuisson, libre à vous. On finit ça avec une belle noix de beurre et le tour est joué. Alors, notre sauce est prête, notre steak sort du four, on va aller chercher tout ça, on va laisser reposer la viande, puis on se fait une présentation. Pendant ce temps-là, préparez vos accompagnements préférés pour manger avec votre steak.
Pierre-Olivier, gestionnaire, propriétaire du Bavard Livrogne. Je vous ai préparé quelques cocktails à base des produits de la Côte-Nord. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui, je fais un petit cocktail à base de cidre de pomme, de liqueur de framboise du Québec et d'un petit produit de la Côte-Nord, la mélange. Ça commence comme suit. On y va avec 1/2 once de liqueur de framboise. On met quelques mélanges dans le même. Fait qu'une fois les mélanges mis à l'intérieur du verre, on vient les écraser. Et nous allons rajouter le cidre de pomme. Fait que voici le résultat de votre cidre à mélange et liqueur de framboise. Bonne dégustation!